Une tremblement de terre 4.8 frappe plusieurs États sous côte nord des États-Unis, tant que New York, New Jersey et l'État Maryland. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu évoqué deux membres de PIA dans le moment où il embauche l'ouvri avec l'administration Biden après la mort de 7 travailleurs et une organisation charité. Et bien, en Haïti, le conseil présidentiel là toujours dans une impasse dans le moment pour aucun signe qui montrait qu'acteur a une entente politique pour être capable de prêter serment et puis installer. Une autre fois encore, on a salué tout le monde et nous disons bon week-end et merci parce que tu es passé toute semaine là avec nous et on continue à faire ça encore. Nouvelle lourde dominée surtout avec Tremblement de terre qui frappe côte nord-est États-Unis, Bonnet, Jodia, Valley Saint-Louis depuis Ville New York. Jeudi à vendredi 5 avril 2024 à 10h23 matin, la terre a été tremblée et c'était un tremblement de terre qui était souqué zone métropolitaine Ville New York là qui gagne en pile monde qui vit là-dedans dans région ça côté que mounyo pas habitué senti terre déplacée. Selon sa service géologique américain a été rapporté tremblement de terre a gagné une magnitude préliminaire de 4.8 et épicentre situé tout près une municipalité qui est Lebanon qui situé dans district Huntington dans état New Jersey ici aux États-Unis à peu près 45 000 dans l'ouest ville New York là et 50 000 dans North Philadelphie. Et d'après service géologique américain, le tremblement de terre est capable de ressentir par plus passer 42 millions de monde. Pas aucun gros dommage qui était rapporté, même si le gouverneur New York, Kathy Hochul, a averti la population sous possibilité pour avoir l'autre secousse qui a retourné dans une conférence pour la presse que le débat. So I immediately directed my emergency management team the second we received word of this to start doing damage assessments. Moi immédiatement dirigé équipe gestion urgence moyen à la minute que nous te recevons information. Tout de suite, nous commençons à faire évaluation pour nous voir si pas gain aucun dommage et si la vie monde pas en danger. Moi immédiatement te parler tout à gouverneur Phil Murphy pour offrir assistance et puis chercher connaître ça qui a passé dans l'état New Jersey. Ça c'est une plus gros tremblement de terre qui passait sous côte l'est là depuis dernier siècle là. Bon côté parle dans une déclaration magistrat ville New York là Eric Adams t'a dit que pas aucun monde qui blessé que yo t'ai rapporté mais il était encouragé résident ville New York yo pour yo t'ai abrité yo en bas meuble dans mitan yon porte au soir et à côté yon muraille en dedans car si yo t'a senti n'importe réplique qui t'avait dit secoue tremblement de terre qui t'a retourné. Président Joe Biden lui-même tout est parlé avec gouverneur état New Jersey Phil Murphy sous tremblement de terre et puis administration pour aller bailler assistance si ça nécessaire selon sa Maison Blanche a fait qu'on est dans une déclaration. Concernant tremblement de terre, moi j'ai parlé avec gouverneur New Jersey Phil Murphy, il pensait toute bagaille sous contrôle. Il pas trop gain qu'est sauté sous ça gouverneur New Jersey qui donc toute bagaille en forme. Administration fédérale aviation FAA t'a dit que compagnie avion t'a dû espérer que vol t'a gagné retard de 30 à 45 minutes dans aéroport ville New York jusqu'à midi à cause tremblement de terre ça. Il y a quelques vols qui étaient en direction ville New York qui ont été obligés de détourner, yo t'a atterri dans l'autre aéroport d'après site internet FlightAware. Et dans quartier général des Nations Unies en tournant New York, tremblement de terre a été interrompu une séance que chef exécutif organisation Save the Children, Gentil Sao Ripto, t'a dirigé en séance urgence en conseil sécurité. Sous menace grand goût dans Gaza. Et moun kap vive dans Baltimore, Philadelphia, New Jersey, Connecticut, rive dans Boston ak l'autre zone dans Nord-Est là, t'es rapporté que yo t'es senti que t'es été grondé et puis t'es été tremblé tout. Il y a quelques moun qui t'es couru sorti dehors puis yo t'es demandé ça qui passé. Et ben chef service nous Sandra Le Maire lui-même senti tremblement de terre lui-même tout. Moi-même, moi, j'étais dans la banlieue Washington, dans l'État Maryland, et ça que moi-même, moi, ressenti, dans mon côté, ce coup s'en frappé nous, c'est que moi, j'étais chita, et bon table, moi, et c'est un table qui est assez lourd, et puis moi, senti que la psouke, souke, souke. Et moi-même, moi, j'étais comprendre que peut-être c'est un gros vent, ou bien on va être comme ça, parce que l'erreur pour, et, ou bagaille ta, déplacer tab ça parce que li vraiment vraiment lourd. Donc l'homme gardé moi ouais que et sous téléphone moi te gen un message que Fred dit que gen un tremblement de terre qui frappé et puis après ça moi vinn ouais que Valerio tout mette un message pour dire que li ressenti secousse là et dans New York. Frédéric Kaimit résident dans New Jersey lui-même tout est senti terre t'est tremblé. Moi t'ai senti secousse tremblement de terre là. Et pendant que j'ai tapé le travail, et puis moi avec Fremna qui nous a fait la secoué. Et puis, les nous proches de Yoa, nous avons tous les voisins campé de Yoa poser question est-ce que c'est un tremblement de terre. Et d'après l'autorité locale,
et t'assemblé secousse là, c'est on secousse qui passé et bon côté pas nous dans ouest orange à 4.3 magnitude. Qui donc jeudi vendredi 5 avril 2024, on date historique à entrer dans anal l'histoire ville New York dans affaire tremblement de terre. Merci. Merci Valérie Saint-Louis, Valérie Saint-Louis passé pour amener tout le monde net, même dans le service de Paris qui pourrait être dans une zone où il y a eu un détail à frappé, eh bien, il y a eu une chance de faire opinion pour te dire qu'ils m'ont senti avec l'événement si là. Dans l'autre nouvelle, le président Joe Biden visité Port Baltimore, plus passé une semaine depuis un bateau cargo qui t'a sorti dans Baltimore pour aller et dans Sri Lanka et même bateau ça dit frappé un pylône qui lagué dans fleuve là un pont semblable à la mer. Président Joe Biden après à propre j'ai parlé, j'ai fort cap fait dans ville Baltimore pour retirer morceau pont Francis Scott Key qui était effondré dans fleuve là pour bateau capable passer. Gain gris bateau à Daiva cap travail pour relouvrir une principale voie maritime pays États-Unis. Président Biden a rencontré famille six moun qui t'ai pas dit la vie le pont a écrasé vendredi qui s'est passé à nettoyage avec reconstruction pont porté avec quelques gros conséquences économiques et politiques tout. Malgré le gouvernement fédéral là passer à l'action sans perdre de temps pour débloquer fonds pour t'en mettre reconstruction, hein. Maison Blanche là mandé Congrès pour approuver un seul coup tout l'argent y a besoin, sans n'est pas obligé mander l'argent d'urgence séparément. Mais caucus Liberté Chambre députée à Freedom Caucus répond pour dire financement comme ça pour venir avec conditions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous pour aller dans Mayenoyan côté premier ministre israélien Benjamin Netanyahu révoqué deux membres l'armée pays a dans ça qui semblait responsabilité ta gain dans attaque qui fait sur un convoi une agence humanitaire qui basé ici dans Washington. Alors décision ça prend tout après premier ministre Benjamin Netanyahu te gain une conversation avec président Joe Biden qui te fait connaître nécessité pour que protéger travail humanitaire qui travaille dans le territoire Gaza et c'est une rencontre que observateur fait connaître que président Biden était clair dans décision là et il était même et dit exactement ça que il pensait et qui Jean administration ouais ça passait exactement il a même demandé pour une enquête et pour enquête aller vraiment clair et pour le dire sans passe pour dire exactement ça qui t'est passé et c'est même pas ça tout que et secrétaire d'état américain et Anthony Blinken qui t'a participé dans rencontre dans ville Paris non sommet même en Belgique que et nous autant t'a fait et ben il t'a demandé pour nécessité pour une enquête sur question ce qu'il a nous parler dans l'autre point cap de l'actualité à n'a venu ici aux États-Unis côté président Joe Biden et Donald Trump ben ont remporté élection primaire qui se déroule dans l'état Wisconsin un état qui capable faire une grande différence dans élection qui gain pour déroulé en novembre 2024 et n'a dit que deux candidats tout entre-temps d'après ça Jacques Belize dit nous et bien deux candidats ça il a cherché courtiser ou il a cherché vote noir américain yo Jacques Belize. Électeurs dans Wisconsin ont voté en faveur Donald Trump en 2016 mais 4 ans après ils ont voté Joe Biden. Dans deux cas yo course là était très serré. Qui donc Wisconsin qui a voté dans un sens ou bien dans un autre dans élection ça avec un électorat qui pat pour pat divisé d'après pif au sondage. Orlando Owens, c'est premier président noir parti républicain dans zone Milwaukee, lui poser en pile question. Kounye la qui est capable assurer l'idée pour éducation timoun yo? Kounye la qui est capable soutenir entreprise noir yo? Kounye la qui est capable soutenir l'idée pour gagner yon frontière qui gagne sécurité? Qui est capable soutenir droit pour un citoyen posséder zame à feu pour défendre tête li? Donc tous les deux partis ont cherché à râler de la souyo dans l'élection. Ça a gagné 4 ans, Biden a remporté Wisconsin avec moins passé 21 000 voix. Il a remporté Milwaukee avec plus passé 141 000 voix. Une analyse dans l'université Marquette indiquait 53% de bulletin vote Biden ont sorti dans le quartier côté gagné plus moun noir. Donald Trump dit partisan lui, pas 4 procès pour crime contre lui et de l'empile dans mi-temps électeur noir. And a lot of people said
En pile moun di, c'est peut-être ça noir yo renmèl kon ça parce que yo même tout yo té blessé et victime discrimination. Yon bagay extraordinaire. Joe Biden pa ka osé perdre vote noir yo dans Wisconsin et campagne kon ça d'après sa professeur sciences politique politologue Kathy Owendy. Most individuals who follow the elections would say that without la plupart moun k'ap suiv élection sa yo ka di 100 Milwaukee, Biden a perdu sans problème Wisconsin. Moi pense campagne Biden dans comme ça, c'est peut-être ça ou pral wè en pire investissement dans publicité, dans message, dans paquet de visites. Joe Biden était dans Wisconsin mois qui s'est passé là pour te annoncer un nouveau financement pour aider réparer ça relé quelque temps historique. Pendant plusieurs générations, communauté noire, brune et amérindien, américain d'origine asiatique et hawaïenne pas vraiment en dans démocratie ni en dans économie. Pour Milwaukee, ça veut dire Biden a pensé à nouveau trottoir pour bicyclette, nouveau route pour bus et infrastructure moderne. Et président démocrate l'a dit, ça pral changer la vie. Quoi faire Wisconsin ça pour qu'on connaît pour qui est-ce libre de voter? I am undecided. Moi jusqu'à présent indécis. Lidwall, moi t'ai voté pour Biden contre Trump dans dernière élection yo. Mais qu'on y a moins plus penché en faveur de Trump parce que ça me t'est quoi qui t'a pral meilleur yo vin pi mal. Donc moi pas connait dans quelle direction m'a voyé tête. Yeah, I'm definitely don't know which way to sway at this point. Et cette attitude ça dans mitan électeurs qui traditionnellement démocrate yo rend course la très serré dans Wisconsin. Rendez-vous c'est pour 7 novembre 2024 pour élection présidentielle ça yo. Jacques Belizère, VOA Creole. Merci Jacques Belizère et n'a profité annonceau samedi 6 avril là donc demain. La Voix d'Amérique à présent dans la nuit des jeunes dans New York et de Boché. VOA Creole, une autre fois encore, Anessa a répondu présent dans un gros événement culturel, musical, ça, qui fête chaque année dans New York. La nuit des jeunes. Samedi 6 avril, équipe VOA Creole là, a sous place dans Amazura, dans New York. Live, en direct. N'a parlé avec public, là, fanatique, monde qui vient amuser. N'a backstage, à Katisio. Nous pote baou, reportage, à image, événement, ça, dans New York. Samedi 6 avril, à partir de 9h30 du soir, la nuit des jeunes. Branché VOA Creole. Il y a un rappel, pas rater rendez-vous demain soir, n'a pas direct. Donc, branchez son nom sur toute la famille, particulièrement sur Facebook, pour nous connaître exactement qui en bas il a passé. Nous parlons dans la nouvelle, nous parlons dans le pays d'Haïti. Mais le conseil présidentiel n'a marqué pas sous place, dans un moment, décret pour nommer même institution ça, ou bien même conseil là, pour qu'on publie dans le journal officiel Le Moniteur, Yves Manuel. Conseil ministériel adopté dans mi-temps semaine nan, projet décret qui gen pour ak fonctionnement conseil présidentiel là. Cependant, non personnalité qui fait partie de institution ça pour qu'on publier dans journal officiel Le Moniteur. Pendant ça, parti qui engagé dans négociation qui visait mise en place conseil présidentiel là a travaillé pour harmoniser projet décret ak accord politique là. Décret qui gen pour ak création conseil présidentiel ak accord politique là a fait objet de yon sel décret pour publier dans Moniteur selon yon membre du conseil présidentiel là qui t'est parlé à VOA Creole. Conseiller qui pat Vlenol cité souligné hier jeudi an te gagné yon rencontre entre conseiller présidentiel yo ak acteur politique yo sur question si tout bagay allait bien deux documents sa yo t'a dû finaliser jeudi vendredi an et puis retourner à joindre CARICOM pour suite nécessaire c'est ça Soslan ajouté pour le dire. Mopod qui dans collectif 30 janvier qui désignait Edgar Leblanc fils dans conseil présidentiel là dénoncé dit la trois bon côté conseil ministériel cap utiliser tout artifice pour faire temps passer et lancer en même temps un pinga by conseiller présidentiel yo qui selon patient doit aller vite et bien selon membre conseil présidentiel yo décret sous création conseil là sans compter accord politique là doit publier dans journal officiel Le Moniteur pendant weekend ça pour conseiller présidentiel yo capable installer dans palais national avant longtemps. N'a souligné gang armé yo fait plusieurs tentatives pour prendre assaut palais national pendant toute semaine là. Est-ce que gen disposition qui pral prendre pour recevoir même conseil présidentiel yo dans plus gros symbole politique paysan yo dossier n'a suivre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.
Toujours sous même nouvelle, ça, ancien premier ministre haïtien Evans Paul plaide en faveur d'une rencontre et au niveau avec pouvoir judiciaire, avec membre conseil désigné, avec l'autre acteur important, le gouvernement démissionnaire, pour être si vous avez une solution dans la crise politique. Là. Ancien premier ministre Evans Paul, tu prends une question correspondant à nous, ou dans tout ça? Question qui a rapport avec la démarche mise en place, il y a un conseil présidentiel dans le pays d'Haïti. Pour bien faire choix un juge au niveau Cour cassation pour assurer présidence provisoire paysan, continuer susciter débat bon côté certains leaders politiques haïtiens, parmi eux ancien premier ministre Evans Paul, qui dit qu'il a préféré Cour cassation. La préoccupation par main, c'est prendre une route qui paraît plus courte, qui paraît plus facile là, chemin Cour de cassation, il y a deux avantages. Premièrement, nous expérimentons déjà. Deuxièmement, il y a une possibilité pour choisir un monde. Troisièmement, une question fondamentale, le monde qui a sauté là-dedans n'est pas jugé parti. Parce que dans le conseil présidentiel, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont parti, ils disent, ils ont une présidence là, pas grand-chose qui dit, ils vont privilégier parti. Parti, ils vont faire ça, c'est pour une accusation. Mais ils ont une suspicion légitime. Or, on connaît que le juge Cour de cassation est réputé non-partisan. Ancien premier ministre Evans Paul, estimé conseil présidentiel transition, ça n'a pas de problème. À aucun membre là-dedans capable de provoquer quelques problèmes. Lors d'une situation où il y a 7 monde qui vous décider, 7 à 9 monde qui vous décider, eh bien, bah, elle a excessivement lourd. Et si on apprend sur le plan très symbolique, dans le palais national, qu'on fout un présidentiel. Il n'y a ni canapé, ni banc. Alors, même sur le plan logistique, pour avoir un gros problème pour accommoder 7 à 9 mounes et pour avoir un cortège. Parce que si c'est président, il faut traiter en tant que tel. Alors moi-même, moi, garder aspect efficacité. Mon deuxième problème, c'est problème mécanisme, mon vision pour faire. Qui peut nommer ce conseil présidentiel? On ne peut pas commander petit pour le faire papa. On va y avoir les hiérarchies des normes dans l'État, on va commander des ministres pour nommer président. C'est le monde à l'envers. C'est ça que fait depuis l'autre jour, on va faire qu'on fait. Arrêter à pas qu'à publier parce que la anormale, bon, moi même dit illégal, illogique. Et nous sommes l'État, même si nous sommes faibles, même si nous avons un problème, nous avons une procédure, nous sommes obligés de respecter. Mais au-delà des procédures, moi même ça plus préoccupé maintenant, c'est efficacité. Ancien premier ministre Evans Paul partageait l'idée tout pour que le pouvoir judiciaire tachita parler avec l'autre acteur sociopolitique haïtien sous base d'une entente plus inclusive pour capable résoudre la crise politique haïtienne. Où est-ce que c'est? Pour VO à Creole. Pas de presse. Correspondant nous, Mazado, vous mettez pour mener un micro dans la capitale là, côté de rencontre avec citoyens, qui ont même été bas opinion sur ça, au pensé de conseil présidentiel, ça, qui est-ce mon yo quoi qui t'a doué diriger? Quelques militants politiques qui étaient d'accord parler dans le micro avec des caméras, nous, qui choisissent différents sous le monde, qui avaient un président conseil transition. Militants et l'avalation, militants des bases, organisation des bases, demandé et Nessil Voté alias chinois, on a besoin qui pour diriger tête conseil présidentiel là, qui pour entrer dans le palais national. Et c'est mon ça qui peut retirer et gros âme ça dans le quartier populaire. Moi-même, je crois avec Gadi Leblanc, river. Dans la commission, dans le débat national, même clair, je dis, et Gadi a fait sale de faire, parce qu'il a une très bonne équipe, et il va le travailler ensemble. Et Gadi, il y a des gens qui vont aller des ministres, des ministres. Non, mais même clair. Et, ouais, je dis, clair, c'est ce que je veux que Dieu m'entende. Et je dis, Gadi, président, qu'on y a là, on veut tout le président Matéa. Non, clair. Gadi, c'est une langue d'après moi, qui est président du conseil là, mais. Si on bat tout Gilles tout pas de problème parce que nous-mêmes depuis ouais ça lié là ça c'est final allié depuis mon intérêt peuple là d'abord nous-mêmes nous d'accord nous font choix nous fait c'est ancien sénateur c'est docteur Gilles raison parce qu'il était toujours campé beaucoup de peuple dans moment difficile ça peuple là il a nous choisi un monde qui l'en can nous ça n'est pas fait aucune personnalité un dirigeant organisation sous bord pas quoi faut monde qui apprend tête pays a capacité pour affronter groupe civil armé nous clair
Si tu as un responsable qui t'a en charge le pays là, alors je connais, moi c'est ça que. Ça, c'est le deuxième, faut que je dise. Faut que l'État en criminel notoire qui a décidé pour le peuple haïtien. Et qui a répondu avec l'issue ça, qui a théorisé la population. Parce que souffrance pour l'empile. Face à la crise multidimensionnelle que pays a connu là, citoyens saillent plaider en faveur pour suite mise en place conseil présidentiel transition. Même en tant que militant qui a bataille au niveau de tout le pays, nous demandons, pressé, faut que. Yo fait installation et pour nous sortir avec un bon gouvernement pour sortir pays dans crise qu'il est là et pressé c'est lui même n'a pas dit si messieurs dames ministres yo veulent faire conseil des ministres pour arrêter sortir pour Joseph Pierre Lucien pour la gueule dans le ministère pour dire mais qui est ce qu'a venir président conseil là m'a dit fait ça pressé parce que ça qu'a fait là pas que aucun monde dans pays là qui à l'aise. Parce que faut que nous jouions avec une solution, parce que ça sera son petit qui n'a pas ça. Et si ça n'a rien dans l'arrivée là, faut qu'il y accouche. Et nous demandons à la police prend toutes les dispositions pour régler et périmètre chaîne massa pour cette même ça présidentielle là qui a installé dans le palais national. Nous devons dire pendant toute journée jeudi 4 avril, coup de balle, pas de suspens chanté dans le périmètre palais national avec zone qui a avoisiné Lyo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vulmé pour Viroir Créole. N'a pas quitté Port-au-Prince, nous parlons dans la ville Cap-Haïtien. Côté la police dans la ville là, ben a arrêté un passager qui a accusé comme un gang dans le moment où il t'a parlé dans Miami, Gérard Maxino. C'est dans l'aéroport international au Cap-Lan que la police a arrêté jeudi 4 avril 2024 là, Vladimir Joseph, qui, selon l'institution policière, t'ava un présumé criminel qui t'a fait partie des bases aviennes. Inspecteur divisionnaire Aol Jean, qui se porte-parole la police dans nos pays, fait qu'on Vladimir Joseph, tap essayé de quitter pays dans le cadre du programme Biden. La police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien individu qui est Joseph Vladimir, qui a 38 ans. Donc, selon l'information que nous avons, monsieur, c'est d'avoir un chef de gang qui a fonctionné dans la zone Sahavien. Et donc, la police dans la ville Cap-Haïtien est en contact avec DCPJ sur le dossier M.A. et tout comme nous en contact avec DCPJ pour plusieurs autres cas de criminels qui ont l'intention de passer dans l'aéroport Cap-Haïtien pour aller dans leur pays. Cependant, Vladimir Joseph déclarait la police ferait. Li pa yon gang. Li men fini yon gang la ti moun ni de alias. Si ki relasyon avèk yon gang pou avèk sa di? Ba ki yon relasyon avèk yon pou. Bon ba lèm kon zon sa yo. Ba kon la ti moun ni tan nou. Ba kon nan kèm gouti la den nou. Ba l kon naiv. Se bon a diye kanaval e mati di mal kon naiv. Ba kon naiv. Ba kon nan kèm gouti nan zon sa yo. Ba kon nan kèm gouti nou. Commissaire gouvernement au Cap-Lan, Charles-Édouard Durand, terrain ni par la suite dans le commissariat police Cap-Haïtien, côté l'été visité prévenir. Commissaire a fait connaître, yo pral mener bon jan enquête sous dossier ça. Donc, pral mener enquête approfondie, puis yo découvrir si ça va dire, si c'est vrai, c'est tout là, parce que nous même nous pas jouer avec sécurité dans la juridiction. Donc, quoi qu'il en soit, la juridiction est faite à valider normalement. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Fête d'Amérique. Nouvelle souveraine de Tio avec Serge Rodriguez et Jude Doncé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Nous allons parler de Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, qui, malade journée aujourd'hui, malgré le poco mourir, il y a un chirépite qui éclatait en trois petites lions. Et puis après ça, nous allons parler de Etienne Maïla avec Jude Doncé. Le français Alain Delon, que le public haïtien connaît bien, et spécialement la génération qui était grandi dans l'époque années 60 à années 70, est bien malade grave. Mais il y a des gens qui pensaient que mon sacré industrie cinéma la France là, qui a l'âge 88 ans jour et jour, a subi une humiliation de ce qui a placé lui sous surveillance renforcée. Alain Delon a fait un accident vasculaire cérébral là, que nous avons les strokes en anglais dans l'année 2019. Il a souffert qu'on y a un cancer lymphatique et bien il a été placé lui sous un régime sauvegarde judiciaire depuis le mois de janvier passé. Qui donc mesure surveillance renforcée là, c'est une démarche qui est trop lourde. Sa malade a besoin vraiment vrai, c'est bon genre encadrement dans la vie tous les jours, et puis pour le capable de dépenser l'argent de posséder, Jean Le Pipito, d'après sa avocat, Maître Berton, dit sous question. Avocat a continué pour le dire, il pensait que ceci là dépassait les bonnes parce que l'humilié mon sacré cinéma français, hein, du fait que le poco perdit tête li, comme Jean-Robert Philippe t'a dit, il toujours qu'un bon sens li.
Nous devons préciser que depuis mois janvier qui s'est passé, il y a un chirépit entre petit Lio, à savoir petit garçon Anthony, 59 ans, Alain Fabien, 29 ans, et petite fille Anouchka qui a 33 ans lui-même. N'a dit que film qui était révélé acteur par le monde entier, c'était film Plein Soleil là, qui était paraît en 1960, mais c'était avec Woko et ses frères qui était paraît en 1962. Parmi les films mon sacré cinéma français a été joué, nous allongeons douette sous le Guépard, qui pouvait emprunter réalisateur italien Luchino Visconti en 1963, avec La Piscine, qui pouvait Marc Fabrique cinéaste Jacques Deré, un film qui était sorti en 1969. Et bien, moment arrivé pour nous passer qu'on en bas, Jules de Ronceret pour nouvelles dans Etienne Maïla, dans Miami. C'est jeudi que ça te passe là, dans le cadre soirée Happy Thursday, dans Blue Martini Nightclub de Fort Lauderdale, État Floride, que Roberto Martino recevait un Lifetime Achievement Award pour contribution T-Vice à l'évolution musique haïtienne. C'est compagnie de production RNA Promo qui te baille l'honneur espère. Après tout ça, je viens de faire dans le business, il est bon des fois pour qu'il y ait des gens qui reconnaissent la valeur ça nous fait. Merci un peu, ça arrive droit au cœur et vraiment ça fait plaisir, ça me courage à force. Pour continuer le travail, continuer à faire cause. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Rara Lakai de Miami, célébré semaine passée 21 l'année existence li. Wisner Charles, alias T-West, qui est fondateur dirigeant Rara Lakai, a expliqué, ça veut dire pour lui, 21 l'année à Rara Lakai. Et 21 Rara Lakai, il n'y a pas de bagaille pour moi. Raison, jusqu'à maintenant, nous là, sous sol, là, toujours dans la communauté haïtienne, nous toujours à travailler. Malgré nous, pas jouer support communauté, la plupart de la communauté haïtienne qui pourrait aider nous travail vétérinaire. Mais ça n'a pas fait nous décourager, nous toujours à Québec. Pour nous, est-ce que nous avons fait plus temps toujours dans la communauté? Merci infiniment, Jude de Ronceret, pour toute bonne information sérieuse pour nouvelles souverainetures. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Groupe Croissance a marqué 30e anniversaire dans Miami avec un sommet économique ou un sommet des finances internationales. Eh bien, collaborateur Jacques Bizet a parlé avec ingénieur Jean-Marie Altema, qui est directeur exécutif groupe financier Profit. Le sommet a fait le cadre 30e anniversaire Groupe Croissance, qui est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Nous connaissons Christian Farel qui a dirigé Groupe Croissance et qui a des émissions dans des radios et qui fait un pile d'intervention tout sous question budget en Haïti. Donc, son sommet qui est toujours fait en Haïti, mais pour 30 ans, Groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner, souffler Groupe Croissance pour que nous gagnions un sommet à Miami. 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de la Offices of Fund de Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda pour financement économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet ça, il y réunit, j'en dis, des acteurs d'Haïti, donc, et de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, ce n'est pas un sommet côté que nous allons parler de finances, nous allons parler de seulement qui gens Haïti capable de relever le souffle de prison, mais nous avons présenté, nous avons venu, il y a un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous remercions surtout pour l'effort que vous faites. Cap Vini, c'est des monde qui ont des projets qui ont exécuté en Haïti. Et rendez-vous, nous pas oublier, non? C'est samedi, dans New York, équipe Creole Lab sous place pour nous porter pour encore la nuit des jeunes. Et puis tout, je dis à ce vendredi, soit conduit, pas consommer alcool, et se consommer alcool, pas conduit. Bon, merci gentil, Augustin, avec tout notre collègue.